Ah. C'est pas grave. Allez, regarde, en plus de ça. Parfait. Laisse-moi faire. Ok. C'est la lune, j'ai eu peur, je me suis dit c'est quoi ce truc là-bas. Oh, il faut que je l'emmène là-bas. Je vais faire comment? Ah, il y a une fusée là-bas. Parce que là, il va tomber, là. Agnan. Est-ce que j'ai encore une bombe avec moi? Je crois pas. Hein. Ah, fuck. Prends cher. Il est en train de cramer là. En fait, c'est triste quand tu mets un coup à un ennemi, en fait, il ne prend pas les... Tu sais, il prend pas genre en mode... Ah, oh, je me suis pris un coup, il est là en mode... Tu m'as tapé. Je trouve ça trop chiant, en fait. C'est assez pénible. Surtout, c'est pas genre comme si je l'avais enchaîné genre 10 coups et qu'il dit... Bon, bah, c'est bon, tu m'as mis 10 coups, calme-toi, tu vois. Non, qu'est-ce qu'il fait? Oh, bien joué. C'est bon. Ah d'accord, c'était des caporales. Sont les morts. Arc beaucoup. Matraque un point de gelée. Il n'y a plus rien. De golem, j'ai pas les autres armes parce qu'il y en a qui a un bouclier, mais je pense qu'il a que ça. Bon, déjà, alors ce qu'on va faire, ça va être ça. Alors. Ah oui, mais qu'est-ce que tu m'emmerdes? Ça va te choper. Merde, bah oui, mais attends. Ah ouais, mais là j'ai plus de bâton en feu. Alors, attends, ce qu'on va faire, ça va être ça. Attends, moi qui avait des... Faire ça. Oh putain. Non. Mais merde, putain. Allez, on va faire l'ancienne technique. La technique qui est super sympa et pas trop chiante. Allez, à l'ancienne. Allez, ça tient pas. Donc. Allez, allez, ça va bien. Pourquoi à chaque fois il faut que je m'amuse à faire ce genre de truc? Ah putain, je glisse. Allez, putain, de neige de merde, c'est pas possible. Il est où mon truc? Je sais pas. Ah, comme le truc est à moitié tombé. Ah merde, la caisse elle s'est pétée. Voilà. Pourquoi tu tombes? La putain de tes mains. Putain de graines de merde. C'est pas possible ça. Oh la vache! Attends, attends, laisse-moi te mettre bien là, là, que tu tombes pas, là, putain. Ah, c'est n'importe quoi. Le plus c'est que je me faisais foudroyer. Je vais être obligé de me rapprocher. Ah merde, parfait. Parfait. Ah la boule. Bon allez, vas-y, j'ai pas envie de descendre. Alors je sais, ça m'a l'air d'être le bon chemin, mais à un côté j'ai des doutes. Et bonjour. Seulement on pouvait enquêter pour comprendre ce qui se passe. Hein? C'est toi bébé, j'étais en train d'infléchir, je t'avais pas vu arriver. Mais si t'es jusqu'ici, ça veut dire j'ai le droit d'aller enquêter. Je le savais, moi aussi je m'étais dit que tu serais le meilleur candidat. Ça fait tellement longtemps que tout le monde t'admire pour ta capacité à gêner des bourrasques. À mon avis, si y a un Piaf qui peut de colosse qui se rend dans ciel, c'est bien toi. Allez, bonne chance, je t'attendrai ton rapport de Piaf. Excusez-moi. Merci Link, on ne te décevra pas. Allez, on y va. Alors. Peu bas. Alors. Putain, celui-là, je l'ai pas fait. Et en plus, la direction, elle va tellement bien. Heureusement que j'ai quand même mis une barre d'endurance. Hein. J'ai pas l'intérêt d'aller ici. Après, je vois pas où est-ce qu'on pourrait aller le... Ah, à moins que... Ah, parce que là, jamais je pourrais grimper jusqu'en haut. Ok. Ce que je vais faire, c'est je vais faire une sauvegarde. Et je vais utiliser ça. Parce que si ça m'envoie assez haut... Que ça, si ça m'envoie hyper haut par rapport à ça, et je pense que ça m'envoie plus haut, je pourrais y aller sur ce truc. ça c'est fait. Prairie jolie de Tabanta. Mise à jour. À moins que ça soit ça, hein. Après, il faut que j'aille récupérer le sanctuaire. L'île de la voile des cieux. Le bateau! Regarde, ça. Hey Link! Quand j'ai vu la Prince Zelda, elle était ici. J'ai pas l'impression qu'elle soit là. Mmh. Qu'est-ce que ça peut bien être? Un bateau volant. Oh. Regarde. C'est un bateau. Mmh. Hein? Mmh. Viens. Ah, viens. Viens. Rejoins-moi. À qui est cette voix? Elle venait du ciel. Oh, on voit plein de bateaux. Oh. Regarde dans ce nuage. Ça serait encore un bateau, il est énorme. Il y a aussi plein de petits bateaux qui volent dans les airs. Tu sais à quoi ça me fait penser? Du cube bateau volant dans les airs montèrent doucement. Le dieu peut enfin rentrer chez lui pour remercier ses généreux amis, leur offrir une arche en récompense qui ramena vent, paix et innocence. Oh, le chant de l'arche céleste. Et oui, c'est exactement comme dans la comptine. Toi aussi, t'as entendu cette voix bizarre. Elle disait, viens, rejoins-moi, j'en suis sûr. Elle a l'air de vouloir nous faire venir jusqu'à elle. Je crois pas qu'il y ait quoi que ce soit par ici qui puisse nous indiquer où se trouve la princesse Zelda. Ça se trouve, elle est partie en direction du bateau. Il y a qu'une chose à faire, Link. Monte. Intéressant. Oh la vache. Je m'attendais pas à ce que ça me fasse rebondir. Ouah, mais tout le chemin que je dois parcourir. Sanctuaire de Mayo Mekisa. Tendre près d'infos. Soit en longueur. Alors déjà ça. D'accord. Oh la vache, ça va être stylé, mais oh la vache. Parfait, comme ça lui je l'ai pris en photo. Non, il est tombé, sa fille l'a tout fait tomber. Ah, ça va être trop haussier, ça va être trop haussier. Ça peut le faire. J'ai compris. Alors lui il est pas compliqué. Et voilà. Pas dur du tout. Oh. Toi qui as pas laissé sanctuaire. Comme ça on récupère tous les cœurs. Ok, comme ça là je vais aller en profiter pour aller me chercher à boire. Est-ce que mon épisode de Zelda est posté? Pourquoi il me dit erreur? Je comprends pas. Le traitement a été abandonné. Ça fait 2 fois que je peux pas le publier, mon putain d'épisode de Zelda. Oh, je vais aller devoir refaire la vidéo, ça va me casser les couilles. Bon, je vais me chercher à boire. Là. Je suis trop énervé, il faut que j'aille me chercher à boire. Mais je comprends pas pourquoi ça veut pas... Pourtant, j'ai rien merdé dans ma VOD. Comment on dit ça ne met jamais? C'est écrit comme ça, je sais pas. Non, UST. YouTube. Je ne sais pas. En gros, je veux poster, mais ils me disent au moment en fait, ça rend la vidéo. Ils disent bah le traitement a été annulé. Je sais pas pourquoi. Bon, allez, on reprend. Votre arc. Oh merde. C'est un peu con. C'est lui là, l'âme contendante. Le bâton, ça sert à rien. Comment j'ai panique. Tu m'as démasqué, tu m'as trouvé. À la revoyure. Ah là, le seul moyen de remonter, c'est faire un TP sur ça. Hein. Toujours que ça. Hein. Bon, moi j'ai le truc, le machin là, il m'embêtera plus pour le moment. Pour le moment, il m'embêtera plus. C'est fait. Voilà. Allez, hop, 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 vite, vite, vite. Non, ça en a un sacré chemin à faire. Ça va beaucoup plus vite que quand c'était. Que quand c'était les bêtes divines. Pas de coffre. Et lui, regardez, ce qu'on va faire, c'est... Ouh. Oh, il chute. C'est la chute. Pas pris en photo celui-là, bah prenons-le. Nombre d'images atteintes. Ah. C'est vrai que j'ai pris beaucoup de photos. Non, lui, elle est drôle. Ok. Ok, y a pas mieux. Y a pas mieux. Ouais, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. Tout ce qu'il y a à faire. C'est stylé la lune et tout, mais il y a des îles encore plus hautes que là où je suis, au secours. sert à rien. C'est parti. Merde. Je sais pas ce que je peux en faire. Hein. Ça sert à rien. Ouais, mais là, ça... Je vois pas. Je vois vraiment pas. Hein. Je vois pour aller de là à là, mais pour le reste... T'en es où toi? Ton pouvoir il est pas encore prêt. On va voir avec ça, hein, avec le bateau. À moins que le bateau on peut le déplacer. Ouais, je vais pas pouvoir aller si haut que ça en fait. Ce que je vais faire, ça va être ça. On va essayer de ramper comme ça. Hein. Pas un truc qui donne, redonne l'endurance. Et après là, ça va être là en fait, c'est... fait. Que je peux accéder là-bas, ça je sais pas. À moins que... Elles sont mes pommes de pain. Parce que là je l'atteins pas ça. Ah ça je l'atteins pas du tout. C'était comment on avait fait du vent. Jamais j'atteins. J'aurais dû sauvegarder avant. Vous savez quoi, je vais me laisser tuer. Pour respawn. Parce que je comprends. Là, je comprends pas qu'il y ait des endroits qui sont durs un peu d'y accéder, mais tu vois, tu sais que tu dois aller là. Là, le jeu ne t'indique pas où tu dois aller. Le jeu ne te l'indique pas. Tu sais que tu dois aller dans cette direction, mais concrètement, tu n'as aucun moyen d'y aller d'une autre manière. Voilà, comme ça, ça m'a remis là. Tant pis, j'ai perdu mon truc. Là, je pourrais jamais récupérer tout ça, en fait. Là, je me vois pas grimper là-haut. Je me vois pas grimper là-haut. Déjà, est-ce que je peux grimper sur ça? Parce que ça c'est une bonne question. Je peux même pas grimper sur ça, vous vous rendez compte? Comment t'as fait tout à l'heure, Link? Au secours! Bah, je voulais. Non, mais je voulais m'en mettre. Oh, au secours! À moins que j'arrive à... Ah non, parce que là, de toute façon, ici, je pourrais pas. C'est quoi? Allez, hop, on se suicide en route, parce que je me flingue un peu. Là, je comprends pas. Je comprends pas, en fait. Je comprends pas, en fait, comment, au niveau du game design, en fait, les mecs se sont dit « Non, mais les gens savent où ils doivent aller. » Non, je ne sais pas. Là, pour le coup, je sais pas du tout où je dois aller. Je peux pas aller en haut, je peux... Enfin, c'est beaucoup trop loin. Je comprends pas, en fait. Je ne comprends pas, en fait, par où il faut passer, quoi. De là, je peux pas. C'est pas la peine. Il aurait fallu mettre un bateau, tu vois. Un bateau, ça aurait été cool. Non, je sais pas comment j'ai fait. Tout à l'heure, j'ai pu, genre... C'est quoi cette arnaque? Ah, merci. Oh, putain, mais la physique du jeu, quoi. De toute façon, il faut que je sois plus haut que ça. Donc, j'ai pas l'impression d'être plus haut que... Dingue. Oh, c'est putain de dingue cette fils de meuf. Oh, secours. Allez, Link, s'il te plaît. Tu commences à me casser les couilles très vénère. Allez. Ah, tu sais quoi, on va le refaire. C'est... Je sais pas. Là, je n'arrive pas à me guider dans le jeu et le jeu ne m'aide pas. Le jeu ne m'aide vraiment pas sur ça. Ça, par contre, ça, c'est un très bon gros point négatif du jeu. Ne pas savoir guider le joueur, c'est très problématique. Je veux bien, des fois, qu'on mette, vous savez, un peu de difficulté pour aller de tel endroit à tel endroit. Ça, je suis d'accord. Mais par contre, je ne supporte pas le fait qu'on te dit « Tu dois aller là-bas ». On te met des trucs assez difficiles et qu'à un moment donné on te dit maintenant maintenant c'est très compliqué pour pouvoir y aller. Je trouve ça inadmissible. Que tu me mettes je sais pas un truc là-bas et que tu vois les sauts vont être compliqués à faire. Ok, pourquoi pas. Mais par contre me dire à un endroit bah maintenant tu vas extrêmement galérer parce qu'il n'y a rien qui t'indique qu'est-ce que tu dois faire pour y aller. Ça c'est du n'importe quoi. Ça par contre, ça c'est très mauvais de la part de Nintendo. C'est honteux de se dire que on va dire là où il y a la plateforme ici, là où je vous montre, attendez. Cette plateforme là, je ne peux pas accéder là. Comment tu veux j'aille ici? Comment j'y vais? Je ne peux pas grimper non plus. Comment le jeu comment ils ont calculé ça en fait? Et pareil, regardez comment je suis collé au mur. Comment je suis collé au mur pour grimper. C'est putain de honteux. Putain, c'est honteux de dire que ça, tu peux pas grimper. Alors que logiquement, je grimpe ça, j'ai moyen d'accéder à là, et d'accéder à là, d'aller là-bas. Mais je me demande s'ils ont pas oublié de d'enlever ça dans le jeu, tu vois. Est-ce que là, le temps qui serait... Non, mais en fait, je ne peux pas. Ah non, mais littéralement, je ne peux pas, en fait. Ce que je veux dire, ouais, non, mais là, je peux pas, hein. C'est trop... Non, là, je vais être obligé de sortir tout ce truc, hein. Ah, je suis obligé, hein. Ah, je suis obligé de faire ça, hein. Ah, je vais être obligé, hein. Yo, Evil, comment tu vas? Par contre, je me demande, c'est est-ce que je fais ça avec les caisses, en fait? Ça va et toi? Ça, ça va. Enfin, si j'avais grimpé sur ça. Ok. Sauvegarde avant. Ouais, laisse-moi juste avant de faire mon truc. Sur le sol car je suis pas encore à ce stade. Sur le sol, une marmite et... ça c'est une marmite. Allez, j'aimerais bien grimper en fait. Comme plateforme, je pourrais, mais je veux pas perdre mon bouclier. C'est pas comme si j'en ai pas beaucoup déjà. Sachant que je sais que je peux grimper là-dedans. Je sais pas pourquoi là je veux pas. Je ne peux plus grimper sur ça. Super. Alors. Et non, parce que c'est des boucliers en bois, ils vont prendre feu. En plus. À moins que... Oh putain. Et non, oui, je traverse le truc. Ça marche pas le bouclier. Il n'est pas considéré comme plateforme. J'aurais dû sauvegarder, j'aurais pas dû sauvegarder. Ça me sert à rien. comme ça, hein. Et je vais me mettre là-dessus, hein. Après, si t'as une arme qui fait du vent, tu peux le tuer pour te propulser. C'est plus compliqué que ça, en vrai. C'est bon, je... Hop, dégage. J'aimerais bien aller l'affronter, le golem. Hein. Le souci, c'est qu'il n'y a rien. Il n'y a rien pour remonter, en fait. Je vais sauvegarder là et si je trouve pas... je veux dire, parce que j'ai envie de l'affronter, le golem, en fait. Il est vrai que ralentir le jeu n'amortit pas ma chute, en fait. Non, là, les... attends, je te rembourse le truc, parce que comme je suis sur Switch, je n'ai pas les sons d'alerte. Que je n'ai plus les sons d'alerte avec le Elgato. Donc ça ne sert plus à rien. Donc il n'y a que quand je suis sur PC. Tant que j'aurais pas trouvé un moyen de remettre le son du Elgato dans l'audio du bureau. Je savais pas qu'il faisait. D'accord. C'est fait. Bon bah, retardement. Ok, mon coffre. Aïe. Une vieille carte. Putain, la vache. Oh, tu sens que les habits, ça va être énorme aussi. Bon. Qui n'a pas d'épée ? Toi. Donc ça me fait 13. Donc lui il est à 19. Bon, maintenant c'est comment je sors d'ici, moi. Je suis un débile, je suis un débile. Il y avait un moyen de monter. Mais c'est un truc que j'utilise jamais, c'est ça, regardez, c'est ce truc là qui me permet d'aller tout en haut. C'est ça qui me permet d'aller tout en haut. Attendez, c'est ça aussi. Donc ça fait là-bas, là. Oh, oh! Non mais faut arrêter les trucs qui s'effondrent. Hein. Oh, oh. J'ai dit il faut arrêter. Ça fait... Quand j'étais... Attends, c'était où? Quand j'étais là-bas, bah j'avais qu'à me mettre en dessous. À mettre les trois trucs et à sauter là. Ah, bon sang de bonsoir. Bon, ça déjà, il faut que je m'occupe de ça. J'ai pas de bombe, j'imagine. Ah si, mais j'ai ça. Quelle va ma mort? Ok. Ok. Putain, on est encore loin. Hein. Oh la vache. Oh putain, qu'est-ce qu'on est là? On en est loin encore. Putain. Ah, oh, j'ai envie de voir ce qu'il y a en dessous. Attends. Attends, si je mets... Est-ce que ça suffit à un fruit de feu? Ça va, pour aller jusque là, ça va. Du silex. Il y en a un autre, il m'a l'air un peu profond en fait. Alors le silex, il est où? Ça marche aussi. Allez, on va aller faire des plats parce que là, ça fait un bout de temps que j'en ai pas fait. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire du poulet. Prendre. Faire du désert. Viande marinée en duro. Un peu exagéré sur ça, n'est-ce pas? Un peu de sel. Poisson salé. Brochette de poisson. Omelette nature enduro. Putain, la vache 10 cœurs. Brochette de champi. Grillade terre-mer. Viande salée. Champi mariné. Putain la vache. Poisson salé. Brochette de champi. Ah, il a pas mon or. Poisson vapeur. Oh la vache. Tous les cœurs. Ça doit être bon là. Oh, ils vont attaquer des... Bah super. Oh, il l'a déglingué. Bouché. Ok, tous les autres sont morts. bâton solide. Attendez, si je fais ça, par exemple, sortir de la sacoche. Ah non, ça marche pas. Ça ne marche pas. Alors là, il y en a un qui est bien caché. Oh! Ok, j'ai pas des petits plats. On va les déglinguer correctement avec une épée sono. J'ai super bien fait de reculer. Oh, oh. Heureusement que ça me tue pas, mais quand même. Épée rouillée. Dans la bombe. Et eh ben. Après, après, ce que je peux faire, c'est par exemple, je prends ça. Ça donne que 8. Oh, après je peux tout m'équiper, hein, parfait. Oh la vache. Oh le pauvre. Oh nice. Oh là, ça pue le... Même pas. Oh pardon. Ah. Jamais d'endurance, hein. Je pense en endurance je mettrai... quand j'aurai les 4 trucs pour augmenter un cœur ou l'endurance, j'augmenterai l'endurance parce que... L'endurance, c'est vrai que c'est très, mais l'endurance dans ce jeu, on la consomme d'une telle vitesse, c'est terriblement terrible. Et là, vous allez voir maintenant. Et là, maintenant, il nous donne ce qu'il faut là pour monter. Ah non, je croyais que c'est la lune, je pensais que c'était autre chose. Là par exemple, ce que je peux faire, ça peut être ça. Par exemple, le coller à lui. Je vais, par exemple, prendre ça. Le coller par exemple à lui. Par exemple, faire ça. Regardez, même là il y en a un 2, regarde ce que je peux faire d'autre sinon. Ça par exemple. Ah et au cas où... Faire voilà. Et faire ça. Putain, rien de dire tout à l'heure, je me suis emmerdé à faire ça. Bon, pour Let's Play YouTube, je le couperai la partie où j'arrive pas à m'en sortir. Voilà, on fait un petit tour, il n'y a rien du tout. Tant mieux. J'ai cru que j'allais mourir. Regardez ce qu'on peut même faire si vous voulez. Par contre on commence à arriver hein. Bon là c'est un peu risqué ce que je fais mais bon. Ah! Je t'ai jamais monté aussi haut dans le ciel. Le vent est glacial, t'as vu? Moi ça va, je m'éplume. Mais fais attention à toi par contre. Ouais! Bah ça, fais attention à moi, putain. Heureusement que. Le froid est intense. Ah, bah regardez ce qu'on va faire. Parce que là ici je survivrai pas avec la bouffe. On va aller faire le sanctuaire. Déjà. On va aller acheter des vêtements anti-froid au village Piaf. Et après on pourra continuer sur ça. Bénédiction de Rauru. En tout cas c'est très joli. Je savais même pas que les coffres pouvaient compter comme truc. Paysage. Je peux pas... Ah mais parce que ça prend aussi... Putain c'est juste ça? Mais le sanctuaire gratuit. Let's go. Pas tous les jours qu'on nous offre ça gratuitement. Ah, comme ça moi j'aimerais bien en fait juste arriver devant le temple avant de s'arrêter. Comme ça au moins c'est fait. Alors, déjà, non, ça va être ça. Il faut que je... Au village Piaf. Je t'attends ici. Mais je sens qu'en fait, les compagnons, ils vont juste rester un moment. Genre, en fait, c'est juste pendant des périodes. Genre, bah, par exemple, aller faire le truc du sang. Bah, je veux dire ça, cette quête-là. Etc. Mais ça reste cool d'avoir des compagnons, c'est vrai que c'est pas tout le temps, je veux dire, bon, pour Zelda, je pense que c'est une première. Mais c'est vrai que pour les autres jeux, bah des fois il y a d'autres jeux, oui, il y a des jeux où on aura tout le temps un compagnon, mais c'est vrai que c'est, personnellement, ça me fait toujours plaisir d'avoir des compagnons qui m'accompagnent en tout cas. Enfin, personnellement, ça c'est mon avis. Bon, maintenant il faut qu'on trouve ça. Est-ce que j'en ai assez ? J'ai pas vu combien j'en avais. Non, je pense que j'ai la monnaie au moins pour m'acheter le haut. Après, le haut était bien parce que le haut, ça me permettait de me balader vite. Attends, madame. Non, à la confection d'habits spéciaux, ça je le vends pas. $650 au secours. Oh. 36, 39. 46. J'en ai 67, hein. Attends, si je fais ça... Qu'est-ce que je vais bien pouvoir vendre dans tout ça là? Eh, j'aime Nox, mais j'aime Nox, j'en ai trop besoin. Il m'en faut 700, non? Je sais plus ce que c'était combien. Bon, j'ai pas un autre plein à vendre là. Ouah, wow, je me suis fait une nouvelle petite coupe. Je me sens... C'est vrai que les cheveux longs, c'est pas... Ok. C'est vrai que faire des plats, ça aide. Merde. Alors... C'est vrai que faire des plats, ça aide. En termes de... Pour vendre des objets et tout, c'est plutôt cool. Je pense que... à un moment donné, je vais genre bien farm pour acheter les vêtements et tout. Ramasser des matériaux. Comme ça, là, non, j'aurais pas de soucis de froid. Tu me laisses pas t'en aller, on y retourne. Bah non. Là qu'on y retourne. Alors, par où je dois aller? Parce que, attends, je suis arrivé là. J'ai fait ça, mais comment j'ai pu accéder là? Je sais pas si c'est là. J'imagine que oui. Attends, peut-être revenir en arrière. Ah mais non, merde. C'est pas le bon. Je me disais bien, je me fais même... Attends, c'est bizarre. C'est bizarre. Oui, j'ai pas pris le bon. L'autre c'est celui qui est... Celui-là, c'est celui qui était en bas. Eh bah oui, là c'est différent. Il y a de la neige et tout. Oh la musique. À moins qu'il y ait le boss qui est là, hein. Non, ça m'étonnerait, il nous ferait un temple au moins. La musique elle devient taille de sinistre. Putain la vache, on est taille de haut. Ah oui, en plus il faut qu'on passe par dessus, c'est vrai. Oh la vache. Et en vrai ici il faut pas avoir le vertige hein. Il faut pas l'avoir hein. Je mange à point le point d'entrée. Oh, c'est incroyable. Let's go. Temple du vent. Ah, attends, let's go, mais... je vais peut-être mourir à la prochaine seconde. Attends, là, c'est juste pour les screens. Voilà. Ah. Allez, je le laisse profiter parce que là, je crois que c'est une cinématique. Ah non, même pas. C'était donc ce vaisseau qu'on voyait à travers les nuages. C'était bien l'arche céleste de la comptine. Oh. Mais c'est la princesse Zelda. Hein? Ça alors? Pas de leak. On a trouvé la source de la tempête de neige. J'ai vu quelqu'un là à l'instant. Juste là, non. Mais il n'y a plus personne maintenant. Ok. Là, je pense qu'on est en zone safe. Et ben, on va pouvoir sauvegarder et s'arrêter là pour le coup. Je ne peux pas sauvegarder. Je ne peux pas sauvegarder ici, ça. Attends, c'est quoi ça? Avant qu'on... Peut-être ça permet de sauvegarder, non? Ah, parfait. Qu'est-ce que j'ai fait? D'accord. Possible le vrai, mais je suis sûr que ce qui cause la tempête se trouve en dessous. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le vrai? C'est encore ce son. Mon cher descendant, l'écoutille sur le pont devant toi est fermée par 5 verrous. Ok. Active tous les mécanismes qui contrôlent ces verrous avec ton pouvoir et l'écoutille s'ouvrira. D'accord. Suis mes instructions. Cette fois, cette voix me parlait à moi. Je suis sûr qu'à cause de la tempête qui paraît notre village est sous cette écoutille. On croit cette voix, l'écoutille s'ouvre si on active les 5 mécanismes. Moi, cette voix, j'ai envie de lui faire confiance. On y est presque. D'accord. Et on peut la sauvegarder. Bah, sauvegardons. Et là, on peut aller s'arrêter pour ce soir. On reprendra. Après la. Vous savez, après 7 Days to Die. On continuera, Zelda pour le coup, vu qu'on avait terminé Jedi Survivor. Donc en tout cas, ouais, non, on a fait une très bonne séance et ça m'a beaucoup plu, ça en tout cas.